Et yop les tipos avec une nouvelle vidéo sur Clash Royale, les gars, je suis pour une nouvelle vidéo pour présenter un deck, simplement un deck plutôt fort dans la méta. Voilà. Avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà. Donc là, voilà, je présente deck mortier, mortier cimetière, simplement comme une condition avec un petit gel qui accompagne le cimetière. Ça comme sort. Et ça comme défense qui sont très solides que j'ai plus besoin de vous présenter. Et voilà, donc on va passer un super défi. Ah ok, je fais une défaite. J'avais oublié. Ok. On va partir sur un petit fait barbare tranquillement. Mode la pression. Ok. Donc, le petit gobelin lance. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un mortier défensif. On va mettre un petit chevalier qui va aller sur ça. Mortier qui va gérer normalement, parfait, nickel. Et là je pense qu'on va directement forcer avec un petit cimetière. Et il met des petites chauves-souris. Il a malheureusement un poison, les gars. C'est pour ça qu'il y a un mortier, je pense. C'est pour au cas où il a un poison, tu vois, qu'on soit pas en counter ou hard counter comme bon deck par exemple. Ok. Il y a un petit chevalier fond de map. Petite mousquetaire tranquillement. Ok, on va mettre un petit feu bas pour soutenir un mousquetaire. Et on va directement partir en mortier. Et la méchante qui détruit pas un mousquetaire. Et ça, c'est plutôt cool. Et là, on va push le petit colis des familles. Hop, nickel. Là, il va prendre très cher normalement. Si j'ai encore mon expérience, on va directement. Oh, on push ça, c'est parfait. Hop, parfait. Normalement, le mortier fait un coup et encore là. On souhaite qu'on mette deux coups. Ça fait extrêmement plaisir. On va prendre l'avantage sur cette game. Ça fait plaisir. Je suis plutôt content. Je crois que là, je suis sur MK Bait. Je suis pas sûr. Hein. Vraiment pas du tout en fait. Maintenant, je suis pas. Non, j'ai un délai. Ok. Oula, là, il force. Hein. Le mec, il a mis 20 délex là. Et là on va partir en cimetière comme il a pu son poison. Ok, on va gel tout ça, on va freeze. Normalement on va faire beaucoup de dégâts parce que les bats maintenant en fait elles défendent plus un cimetière aussi bien qu'avant à cause de leur nerf. Et là il va forcer comme un corps là. Ouais je pense que je vais mettre ça comme ça. J'ai mis un mortier, un colis ici. Hop, nickel. Il défend bien tout ça et ça c'est carré. Et là les gars, ça va être le moment. Oh il a bien joué. Et il a extrêmement bien joué. Il a su free shoot. C'est le problème. Ce que je regrette un peu c'est de pas avoir de zap. Ok, là on va mettre une petite mousquetaire. On va mettre un petit mortier comme ça pour prendre zéro coup. Je vais quand même colis. Pour pas prendre de risque. Et là on va partir en cimetière comme ça cette fois-ci. Pour voilà, bien jouer de sa part à la bûche. Et j'essaie de faire ça pour essayer de prendre un maximum de coups de squelette. Normalement le squelette il prend pas mal de coups si la tour voilà et la lame se tire les gars. Un HP. Ok les gars, super combat. Je pense que j'ai été meilleur. Ouais. Même s'il a plutôt bien spam, j'ai clairement été meilleur. Il n'y a aucun doute sur ça. Alors à son profil, lui je pense en vrai il était pas mauvais. Mineur poison, ouais c'est chaud de jouer. Hein. Ouais en fait t'es pas incroyable. Hein. Ouais non pas incroyable niveau 13. Il joue ça comme deck en ladder je suppose. Non, il joue pas ça comme ladder. Ouais non, il peut tout améliorer, bah d'accord. C'est peut-être la bûche, ouais la bûche peut pas l'améliorer. Ok. Ok, donc là on tombe sur le Félix de Armageddon King. On met un petit mortier first play les gars, ça fait plaisir. Ok, mais on lance first play, nous on va dire. Oh. C'était pas incroyable ça. Hein. C'était vraiment pas incroyable ce colis. J'aurais dû le garder, bon c'est pas grave. Dans tous les cas, on va sûrement. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, lui c'est pas un bon joueur. Je dis. Ouais, qu'est-ce qu'il fait frère? Pourquoi il a un molosse avec un fou mystique? Ouais, j'ai deux défauts dans le squelette, je pense. Je pense que c'est mieux à faire. Et là les gars, on a pris déjà. Il a pris extrêmement cher sur le tour de droite, ça fait plaisir. Et là, on va mettre un counter push. Qu'est-ce qu'il fait, frérot, hein?
Vas-y, je vais quand même mettre ça en fait, parce que là, on a un moyen de faire un bon counter push là. Qu'est-ce qu'il fait, Molo? Mec, Molo ce cochon là, vraiment. On a pas raté notre gen, nous. Est-ce qu'on a pas raté notre gen, nous? C'est bien vu comme il est claqué, c'est pas grave, c'est quoi? Bon, en tout cas, ça fait plaisir. On tombe sur des joueurs comme ça. En super défi, ça fait zizir. Et je veux Molo ce ballon cochon. Je suis à gobelin. Ouais, il devrait mettre plus de win condition. Je pense qu'on a pas assez là. Il manque quelques win condition. On va mettre un petit fût à barbare pour aller gérer ce petit fût à gobelin. Et on va prendre 0 coup de mousquetaire. Là, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je dois qui met un molosse. Ok, là, il met un molosse. Je peux shoot. Dommage. Est-ce qu'il a rage kit? Ah bah. J'ai bien pris le shoot, écoute. Du coup, on va mettre un morceau de l'autre côté. Et les gars, là, je pense qu'on va faire une défense extrêmement solide. Ok, il met un cochon, tant mieux. Non, mais tu me mousquetaire, juste d'abord défendre le cochon. Pour rien défendre du tout, à mettre. Merde, je crois que je l'ai raté, je me suis raté. Dans tous les cas, on met des petits dragons squelettes. On va après shoot le colis. Je crois que j'ai mis un poteau de colis, je suis pas sûr, mais. Ouais, si, je sais pas. Ok, on va mettre un petit mortier pour mettre l'agro du ballon. Sur le mortier. Ok, il met un... Ouais, mec, force. Ok, là, on met ça comme ça. Avec ça, on va mettre un petit fût. Toujours on défend. En tous les cas, on a un essai x2, on a le gel. Et les gars, on va partir sur cette deuxième victoire facilement. Contre un gars qui n'a pas de... qui n'a aucun sens. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ok. Ah bah, oh, j'ai même pas une regarder son profil, lui, de son frère, il a encore N2, lui. Attends, j'ai... Ah, en fait, ça m'intrigue quand même. Ça m'intrigue pour une seule raison, c'est parce que... Quoi? Comment ça? Comment ça, mec? Il a 4009, là. Après, il est niveau 11, mais... Wesh! Mec! Oh, c'est trop stylé, le blason, comme ça, là. J'aime bien la gauche. Ok les gars, on va partir sur cette troisième partie tout simplement. Voilà, avec le deck. Désolé, excusez-moi pour le bâillement. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire si oui, je vous fasse une petite vidéo pour le tournoi mondial. Ok, on tombe sur 1000 de Ferenere. On va partir sur un petit mortier first play. Ok, petite voleuse tranquillement. Petit chevalier pour défendre le petit mortier. Ok, on va mettre ça comme ça. Très très bien. Le mortier qui m'a un coup. Voilà, mec, la défense que je fais. En vrai, je sais pas si je force. Vas-y, je force. Hop, petit fût. Merde, je l'ai mis trop tôt. Trop tard, dommage. J'ai un peu le seum, là, j'ai pas vous mentir, bon c'est pas. En vrai, on fait quand même de très très bons dégâts sur la tour, c'est plaisir. Et il joue les Halouf Royaux, d'accord. Donc on va mettre un petit mortier défensif. On a le colis pour les cochons qui font. Qui est très efficace contre les cochons. Voilà, c'est vraiment mal contre les cochons les gars. Il y a moyen de faire de très très bonnes defense. Et ok, donc là je pense avoir le match-up, mais je suis pas sûr parce que j'ai que ça comme dégâts de zone et ça, mais bon, ça c'est pas vraiment les dégâts de zone. Ok, donc là, le plan, ça va être de mettre une petite mousquetaire fond de map tranquillement. Et on va partir du équipement en cimetière gel. On va d'abord protéger la mousquetaire évidemment. Petit chevalier tranquillement ici, c'est bon. Une bonne défense. Ok, mais trop mousquetaire. Très bien, ça me donne très très bonne value de cimetière. Ok, il a très bien joué. Nous, on va freeze tout ça. Et on va juste mettre un petit fieu barbare pour défendre la mousquetaire. Et là, extrêmement bien joué. Il a très très bien défendu. Et là, s'il met des cochons de ce côté, je vous avoue, je sais pas comment faire. Ok, on va mettre un colis. Malheureusement, ce sont les dégâts de la voleuse normalement. Ah, même pas. Oh là, mec, la défense que je fais. Incroyable, hein.
Donc là, normalement, si je me trompe pas, il va partir en cochon. Ok, il y a 33 mousquetaires, très très bien. Là, nous, on va repartir en cimetière, tiens. Hop. Son défense prête. On va regel. De toute façon, tous les cas, on va gel. Le but, c'est de mettre un masse dégâts aux mousquetaires. Et là, je vais mettre ça, plus ça tranquillement. Tac, nickel. Le mortier qui fait clairement le taf. Je vais devoir malheureusement garder ça pour ça. Hop. Ok, là, on a fait. Normalement, on fait une très bonne défense là. La défense est très délicate. On va prendre les dégâts de la voleuse, mais c'est pas dramatique. On va partir en cimetière sans temps, puisqu'on a un gel. Il va nous la tour et il sait qu'on a gagné. Super combat, mec. On va gel les trois mousquetaires. Tranquillement, faire masse dégâts avec les mousquetaires au cas où il ne prend le tour. Mais ce n'est, c'est littéralement impossible en tous les cas, les gars. Et je suis extrêmement content d'avoir gagné un match-up. Je pense, en vrai, je sais pas quel match-up. Je pense que c'est moi quand même, mais. Et le match, il a mal joué, je pense. Il a très très mal joué. Ouais, voilà, il est. Ouh, quand même. Quand même. Il a fait combien de records? 6746. Ouais, il a meilleur profil que moi, ça c'est sûr. Après, il joue un deck qui peut être très puissant. Il a tout max. T'as bientôt, je vais voir ça. T'as regardé bientôt, les gars. J'ai ça, moi. Il manque plus que ça. J'ai tout mon deck maximum. C'est incroyable, hein. Ok, bah vas-y, on va partir sur cette dernière game tout simplement de ce super défi, les gars. On tombe sur King Qualos de Adult Cell. Et on va partir encore sur un mortier first play. Bah on l'a, on le met, hein, forcément. Ok, donc il va nous laisser le connecter. Il m'imbouille, très très bien. Ah, mais juste une mousquetaire. Ok, c'était pas le but de le protéger. Mais vas-y. Ok, bon. On va prendre 3 coups de mortier. Peut-être le quatrième. Ok, wesh, lui c'est pas bien le jeu lui aussi. Hein. Lui est niveau max, mais il doit être à 5k3, 5k4. Ok, un petit colis en plus, voilà, tranquillement. Le colis qui gratte bien, et là on va partir en cimetière. Puisqu'il n'a plus son bourreau ni son bouliste. Et il met une tornade dans le vent, bah vas-y, on va freeze alors. J'attends un petit peu, quoique. Ouais, même pas besoin en fait. Je peux quasiment prendre la tour. Wesh. Ah d'accord. Ok, là. Ok, il a un gel aussi, d'accord. Ok, ok. Il va malheureusement nous prendre notre tour. C'est pas grave, puisqu'on a un mortier. Hop. Ok, bon. Il joue l'index intergel, très très bien. Comme nous. Hop, ok, c'est carré. Petit bourreau des familles, très très bien. Alors là, ça me fait chier. Je vais mettre un petit chevalier ici, pour prendre l'aggro du bourreau. Merde, le but si ça touchait pas, bon. Bon là je pense qu'il sait que je vais mettre un cimetière gel, je pense qu'il le sait. Je vais même mettre un mortier avant de mettre le gel. Pour mettre un max de pression, là il faut que je prenne la tour. Là j'ai pas le choix, si je prends pas la tour je vais. On va mettre le gel qui est un très très bon gel. On va prendre la tour et ça c'est cool. Là bon la défense va devoir être irréprochable. Ok, normalement c'est les trucs bourreaux, on va mettre une mousquetaire. Là faut qu'il n'y ait rien qui dépasse le pont en fait. Et j'ai bien joué. Et là j'ai extrêmement bien joué. On va mettre ça. On va mettre ça. Le colis qui est parfait les gars. Le colis qui est extrêmement bien joué de ma part. Et là on va partir en mortier. Sauf vraiment même mettre une mousquetaire au corner. On sait jamais. Voilà. Et là c'est super combat frérot. On a joué contre un gars que je pense pas mauvais. En vrai. Quoi qu'en fait je sais pas parce qu'il joue un vrai deck qui est totalement max mais il est nul. Ou alors à tout le monde je dis ça mais les gars c'est un boss. Eh bon ça fait plaisir les gars, on a gagné 4 games, ça fait c'est cool. Ouais je crois le gars il a 6k là vraiment. Le gars il a 6k avec ça là. Attends. Quoi?
Non. Je suis genre pas d'accord. Et c'est le frère de son clan en plus. Oh, et ils viennent de mars 2016. Ok, bah. Ok. D'accord. Ok, bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et dites-moi un prochain décor la prochaine fois. Ciao.